Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce jeudi 29 janvier. Retour au calme à la frontière libano-israélienne au lendemain de l'affrontement meurtrier dans la région des fermes de Sheba entre Tsahal et le Hezbollah. Les deux camps assurent ne pas avoir l'intention de voir se poursuivre le nouveau cycle de violence. Les violences de Sheba au cœur de la réunion du Conseil des ministres au Grand Sérail. Tamam Salam appelle toutes les parties à la retenue et réitère l'engagement du Liban au respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le soldat espagnol de la FINUL tué par des tirs israéliens reçoit les honneurs militaires à l'aéroport de Beyrouth avant le rapatriement de sa dépouille en Espagne. Âgé de 36 ans, le caporal Soria en était à son deuxième déploiement au sud Liban. Et à suivre également dans ce journal, l'organisation État islamique prolonge l'ultimatum fixé à la Jordanie pour libérer la prisonnière irakienne. Dans un enregistrement audio, on entend ce qui semble être la voix de l'otage japonais, affirmer que le pilote jordanien serait tué ce soir. Retour au calme donc ce jeudi à la frontière entre le Liban et Israël, le lendemain de l'affrontement meurtrier dans la région des fermes de Sheba. L'armée libanaise et la FINUL multiplient les patrouilles et les survols de la zone. Côté israélien, Tsahal a déployé un nombre important de soldats le long de la frontière. Deux soldats israéliens ont été tués hier lorsque le Hezbollah a tiré 5 missiles sur un convoi de l'armée. En représailles, Tsahal a bombardé plusieurs villages dans le sud du Liban où se trouvent des positions de l'armée libanaise et de la FINUL, tuant un casque bleu espagnol. L'attaque du Hezbollah est sans doute une réponse à la mort de plusieurs de ses membres et d'un général iranien des gardiens de la révolution dans une frappe israélienne à Kounaitra sur le plateau syrien du Golan le 18 janvier dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier soir pour appeler à une désescalade immédiate. Il n'est dans l'intérêt ni d'Israël ni du Hezbollah de poursuivre l'escalade des violences. Les deux camps assurent d'ailleurs ne pas avoir l'intention de voir se poursuivre ce nouveau cycle de violence. Et puis les violences frontalières se sont invitées à la réunion du Conseil des ministres libanais ce jeudi au Grand Sérail. Le Premier ministre a une nouvelle fois condamné le regain de tension à la frontière, mais s'est dit soulagé que la situation ne se soit pas davantage détériorée. Tamam Salam a appelé toutes les parties à la retenue et réitéré l'engagement du Liban au respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement a d'ailleurs appelé l'ONU à prendre les mesures nécessaires pour qu'Israël respecte la résolution. Plus tôt dans la journée, la représentante de l'ONU au Liban, ainsi que les ambassadeurs américains et britanniques, ont assuré à Salam qu'il n'y aurait pas d'escalade de violence de la part d'Israël. La dépouille du militaire espagnol Francisco Javier Soria a reçu ce matin les honneurs militaires à l'aéroport de Beyrouth, et ce, avant son départ pour l'Espagne à bord d'un avion de la Fuerzas Armadas, les forces armées espagnoles. Âgé de 36 ans, le caporal Soria appartenait au régiment d'infanterie mécanisé Córdoba 10 de la brigade Guzmán Albueno de Cerro Muriano. Son unité était déployée à Marjayoun depuis novembre dernier dans le cadre de la mission de la force intérimaire des Nations Unies au Liban Sud. Le caporal Soria était à son deuxième mandat au Liban après une première étape en 2004. Sa mort par un tir israélien soulève beaucoup de questions. S'agit-il d'une bavure? Qui en est responsable? Madrid et l'ONU réclament une enquête. Pour en savoir plus, mon collègue Serge Berberi a rencontré ce matin l'ambassadrice d'Espagne au Liban, Milagros Hernando Echevarria. Et l'enquête a été demandée hier et les gens de FINUL, bien sûr, le général Portolano qui était avec moi à l'aéroport pour la cérémonie de revoir, l'hommage, la cérémonie de revoir, m'a confirmé que l'enquête était déjà en marche. C'est que nous, on essaye de comprendre, de savoir et pourquoi quelqu'un qui travaille pour la paix a perdu sa vie précisément pour une confrontation qui n'a pas respecté les coordonnées de la résolution 1701. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la situation est triste, car toujours quand on est dans une mission de paix, c'est qu'on essaie de faire tout l'effort précisément pour éviter les confrontations. Mais si jamais ça arrive, comme ce jour-là, quand même on attend que les personnes qui sont à la mission ne soient pas sacrifiées pour cette confrontation. On a après l'approche personnelle, et l'approche personnelle nous raconte
Bon, une personne, 36 ans, 10 dans l'armée, il était de Malaga, il travaillait à Córdoba. Et bon, sa femme était enceinte. Et c'était prévu que peut-être l'enfant va naître, et la couche, dans un de ces jours. Alors imaginez-vous hier, alors c'est comme dramatique, n'est-ce pas? C'est-à-dire donner une nouvelle à la femme de quelqu'un qu'un mari est mort est toujours terrible. Mais si il y a un moment d'une émotion personnelle si forte comme un accouchement et que son papa est mort, alors... Vous pensez que ce qui s'est passé hier, la mort justement de ce soldat, pourrait donner des arguments à l'opposition en Espagne ou à ceux qui sont opposés à la présence de militaires espagnols au Liban? Bon, je dois vous dire que vous pouvez mettre en Google, vous allez avoir la même information. La société espagnole appuie les missions de paix d'une façon incroyable, c'est-à-dire... Et peut-être, car nous, on a eu une histoire qui a été triste parfois aussi, qu'on a eu des confrontations, etc. Disons que la réaction de la société espagnole en général est très, très pro-mission de paix, pro-travailler pour la paix, solidarité. Alors, si vous faites un Google et vous demandez combien de gens de la société espagnole appuient les missions de paix, vous allez trouver que c'est plus de 90%. Alors, non, je ne pense pas que cette situation va provoquer, disons, ou va donner des arguments à des gens qui puissent dire non, ou qu'il y aura des gens qui commencent à dire non, qu'est-ce qu'on fait là et tout. Non. Mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup de gens aujourd'hui qui disent oui, mais on doit connaître les pourquoi. C'est-à-dire, on n'est pas dans ces missions de paix, on n'est pas là-bas en train de déplacer nos gens là-bas et comme ça. C'est-à-dire, alors je crois que c'est vrai qu'il y aura une pression sociale importante pour que la vérité puisse y être connue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un ordre que quelqu'un n'a pas respecté, il y a eu un alerte qui n'a pas arrivé, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi une personne qui est dans ses missions connues, dans ses missions et qui ne bouge pas depuis 2006, qui est là depuis 2006, connue par tous les partis, pourquoi n'a pas été respectée même si la confrontation a eu lieu, on le sait. Alors, mais non, je ne crois pas que cette situation puisse être un argument contre, car comme je vous dis, la société espagnole en général est très, très d'accord avec les missions de paix à l'extérieur. Est-ce que cet incident pourrait éventuellement troubler les relations entre l'Espagne et Israël? Je crois que l'Israël... Et depuis hier, a démontré qu'il n'essayait pas de tuer un soldat espagnol. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Lieberman, il a téléphoné notre ministre immédiatement après qu'il a connu que le soldat espagnol était mort, précisément pour présenter ses condoléances et ses regrets. C'est-à-dire, je crois que d'abord, il ne faut pas confondre la société libanaise, la société israélienne avec le gouvernement ou d'autres choses, c'est-à-dire une autre chose. Alors, je crois que nous, on sera fortes pour demander des explications. Ça y est, si les explications arrivent, comme hier, ils ont dit déjà... Bon, qui n'essayait pas, bien sûr, de tuer un soldat espagnol, alors... Vous êtes confiante quant au résultat de l'enquête? Vous pensez vraiment que ça va aboutir? J'espère, oui. J'espère que bon, nous expliquer les pourquoi. Une erreur humaine, une erreur de communication... Bon, alors... On comprend aussi que le moment était très difficile, c'est-à-dire quand Hezbollah a attaqué les convois, je suppose que les
l'armée israélienne, quand elle a vu comme les soldats étaient brûlés dans la voiture, ils ont été très nerveux peut-être aussi. C'est-à-dire, tous ces mélanges de choses, on les comprend. Mais, bon, on est dans ces missions de paix, et la mission de paix a de certaines coordonnées, et les premières coordonnées, c'est respecter la vie des gens qui sont là, alors. Un dernier mot sur la position du gouvernement libanais sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'on vous a contacté? Oui. Justement, comment Oui. Non, je dois dire que depuis hier, les gouvernements, l'administration, les partis politiques, les forces libanaises, les forces militaires, la société en général, c'est-à-dire, bon, tout a été expression de regret. C'est-à-dire, on sait que les Libanais, dans tous les pays, ils sont très, disons, ils ont une vision très positive de la mission de paix. Alors, on sait qu'hier, beaucoup de gens ont franchement souffert pour ça, car ils ont compris qu'un innocent a été pris dans la moitié d'une confrontation un peu folle, oui, je dois le dire. Merci. Merci à vous. T'en prie. Dans un instant, en direction le Sud-Soudan et la libération d'enfants soldats. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 16-40. Nouvel ultimatum de l'organisation État islamique. Dans un enregistrement audio, un texte qui semble être lu par l'otage japonais Kenji Goto affirme que le pilote jordanien, également détenu par l'EI, sera tué si l'échange de prisonniers réclamé par les djihadistes n'est pas effectué ce jeudi avant le coucher du soleil. Daesh exige que l'une des leurs soit libérée à la frontière turque, sinon le pilote jordanien sera exécuté. Le gouvernement japonais est en train de procéder à l'analyse de cet enregistrement. Et le Premier ministre Shinzo Abe a de nouveau dénoncé des procédés ignobles. Les autorités japonaises ont demandé l'aide du gouvernement jordanien. Hier soir, le père du pilote a exhorté le roi Abdallah et son cabinet à accéder aux demandes de Daesh lors d'une manifestation à Amman. L'avion de combat grec F-16 qui s'est écrasé lundi sur la base espagnole d'Albacete, faisant 11 morts, dont 9 militaires français, a eu une panne au décollage. Les deux pilotes ont tenté de s'éjecter. Voilà ce qu'a indiqué le ministère français de la Défense. Écoutez. Alors que certains avions de la coalition du jour étaient en train de décoller eux-mêmes et une patrouille de 4 F-16 grecs, le dernier des appareils, au décollage a eu un problème qui a fait que d'ailleurs son équipage a tenté de s'éjecter et les deux membres d'équipage sont décédés. Et l'avion a fortement dévié de sa trajectoire. Et est venu percuter la ligne française et un peu de la ligne italienne qui était à côté de la ligne française. Aujourd'hui, c'est une enquête un peu plus compliquée que d'habitude parce que ça se fait en multinational, mais les gens ont commencé à travailler ensemble et les informations que j'ai là-dessus, c'est que nous avons ces garanties de transparence et puis d'avancer assez vite pour connaître les raisons de la... les raisons de la panne de cet appareil au décollage. Direction le Soudan du Sud et la libération de quelques 280 enfants soldats. Cela se passe dans le village de Gumuru, qu'ils avaient été enrôlés dans l'armée démocratique du Soudan du Sud, faction Cobra, un groupe rebelle. Ils ont rendu leurs armes et leurs uniformes au cours d'une cérémonie à laquelle assistaient des membres de ce groupe. Les enfants sont âgés de 11 à 17 ans. Selon l'UNICEF, l'agence de l'ONU pour l'enfance, certains combattaient depuis 4 ans et n'ont jamais été à l'école. Ils ont reçu des soins, de la nourriture et des vêtements. Plus de 2500 autres enfants soldats devraient être démobilisés dans les prochaines semaines. Et c'est la fin de ce journal tout de suite, le rappel des titres. Retour au calme à la frontière libano-israélienne au lendemain de l'affrontement meurtrier dans la région des fermes de Sheba entre Tsahal et le Hezbollah. Les deux camps assurent ne pas avoir l'intention de voir se poursuivre ce nouveau cycle de violence. Les violences de Sheba au cœur de la réunion du Conseil des ministres au Grand Serra et Tamam Salam appellent toutes les parties à la retenue et réitèrent l'engagement du Liban au respect de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Le soldat espagnol de la FINUL tué par des tirs israéliens reçoit les honneurs militaires à l'aéroport de Beyrouth avant le rapatriement de sa dépouille. Âgé de 36 ans, le caporal Soria en était à son deuxième déploiement au sud Liban.
Et puis l'organisation État islamique prolonge l'ultimatum fixé à la Jordanie pour libérer la prisonnière irakienne. Dans un enregistrement audio, on entend ce qui semble être la voix de l'otage japonais affirmer que le pilote jordanien serait tué ce soir. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Excellente soirée et à demain.